Avec 5 000 francs ou 10 euros, lance ce business et reviens en discuter avec moi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne manquez pas sans vous abonner. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne et un gros coucou aux anciens abonnés parce que sans vous, bien évidemment, je ne suis rien. J'ai dit que j'ai quelque chose. C'est que si vous avez déjà deviné de l'idée business dont il s'agit. Vous avez déjà deviné de l'idée business dont il s'agit. Il s'agit tout simplement du Folleret. J'ai eu à parler du Folleret sur cette chaîne au moins dans 2 vidéos dans lesquelles je parlais des idées business qu'on peut lancer avec un petit montant. Et j'ai eu des commentaires qui m'ont dit, Nibel, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir fabriquer du Folleret? Est-ce que tu peux faire une vidéo dans laquelle tu fais du Folleret? J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai donc décidé de vous préparer cette petite vidéo que vous allez voir tout à l'heure. De manière très détaillée de comment est-ce que moi je fais mon Folleret est très bon. Je vous invite vraiment à faire la même chose à la maison et vous allez... qui connaît ça? Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris la boîte de yaourt, vide bien sûr. J'ai mis mon Folleret dedans. Et j'ai tout simplement... Il dit que non, je suis trop contente. Les choses de la terre. Hey. Je suis contente, c'est la magie. Trop bon. On dit vraiment non, c'est qui plaît à l'enfant n'est rien. Bref, allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, bien évidemment, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une autre manière ou bien d'autres ingrédients qu'on peut ajouter à l'intérieur pour que ça soit encore plus bon, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Laissez-moi des messages, laissez-moi des likes, des commentaires, surtout des commentaires. Je veux voir les commentaires percer sur cette chaîne et partager la vidéo. Mouah! Ne manquez pas sans vous abonner, je vous allais. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui s'abonnent. Merci beaucoup. Pour notre Folleret, nous aurons besoin de l'ananas, du gingembre, du bonbon mentholé. Il s'agit tout simplement du bonbon. Regardez vous-même la marque. Je ne fais pas la marque. Je ne fais pas publier quelque chose. Hein. Mais bon, la marque Cola. Donc, ceux qui sont au Cameroun doivent reconnaître ce bonbon-ci là. Je pense que même ici, dans les supermarchés africains, vous avez la possibilité de partir là-bas trouver des bonbons à base de menthe. Il faut juste qu'il y ait la menthe à l'intérieur. C'est tout ce que je vous demande. Après, celui qui veut mettre la menthe fraîche, mais à vous dire la vérité. Je ne peux pas fermer la menthe fraîche. Pourquoi? Parce que j'ai déjà goûté la menthe fraîche que nous on a ici. Et ce n'est pas assez mentholé comme ce que je vois. Comme les produits que je vois, on a fait à base de menthe. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de différences. Et à côté, vous avez un Folleret pareil. Voici comment le Folleret là vient. Je vais vous montrer ça. Il faut que je détache le papier pour vous montrer. Je montre comment le Folleret vient à l'intérieur. Avant, j'aimais bien le Folleret qui a les... Il y a des petits débris, vraiment le fond là qu'on a pris parce que je me disais que c'était le jus. Mais non. J'ai trouvé une autre méthode qui te permet d'avoir un Folleret avec le jus à gogo. Qu'est-ce que vous dites à gogo, non? C'est vraiment à gogo. C'est vraiment à gogo. Voici comment ça va se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je sais que ça dépend des pays. Voilà comment ça se présente. Le bissap, jus de diarra, je sais pas, ça dépend en fonction des pays. Le nom change. Donc, voilà plus ou moins la quantité. Donc, la quantité que j'ai utilisée pour pouvoir faire mon Folleret. Et à dire la vérité, j'ai trempé mon Folleret hier soir. J'ai juste laissé ceci pour vous montrer à quoi ça ressemblait, ce qu'on va faire et tout. Vous allez constater que l'ananas, il est posé comme ça. Mais ce n'est pas l'ananas que je vais mettre à l'intérieur de mon Folleret pour préparer. L'ananas, si je vais mettre ça bien après avec le ginger. J'ai laissé le ginger ou le gingembre comme ça parce que si j'enlevais la peau, ça devait être ressembler trop à l'ananas. J'ai dit que non, bête, je laisse comme ça pour mieux vous présenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que depuis hier soir, j'ai trempé mon Folleret dans la même quantité, là, j'ai trempé ça dans de l'eau, dans 4 litres d'eau. Je vais vous montrer, vous allez voir vous-même comment la couleur est sortie. J'ai mis ça dans la marmite, j'ai trempé. La couleur est bien sortie. Si bien que tout de suite, là, lorsque je vais allumer le feu, je vais juste mettre les peaux d'ananas. Pour ceux qui ont mis les peaux d'ananas, on voit les peaux d'ananas que j'avais déjà préparées. Je vais juste mettre les peaux d'ananas à l'intérieur. Et à peine mon Folleret va commencer à bouillir, je vais tout simplement éteindre le feu. Et quand je vais éteindre le feu, je vais tout simplement
verser à l'intérieur l'ananas que vous êtes en train de voir devant vous là, avec le ginger, et laisser reposer pour que ça se refroidisse, vous voyez un peu. Bref, de toutes les façons, je vous amène avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Ne fuyez pas. Hein. Donc, si vous voulez avoir un bon folerique, que quand vous goûtez là, on vous dit que waouh, vous avez fait ça comment? Suivez seulement la méthode si je vous assure. Là, voilà mon folerique que j'ai trempé depuis hier soir. Regardez vous-même comment la couleur est sortie dans 4 litres d'eau. La couleur est excessivement sortie. Excessivement sortie, je vous assure. Excessivement. Regardez vous-même. Là, maintenant, à l'intérieur, je vais mettre les peaux d'ananas. On va mettre les peaux d'ananas. Et je vais allumer mon feu. À peine ça va commencer à bouillir, je vais tout simplement retirer. Je ne jette rien sur l'ananas. Même ça, je mets. Pour moi, quoi, la détente. Je mets tout. Je jette rien. Je ne jette rien. Donc, pour mes teams... Qu'est-ce que je raconte même? Donc, pour ma team, là, ceux qui veulent se lancer dans le business du foyer, là, n'hésitez pas à suivre la même méthode. N'hésitez pas à suivre la même méthode. Et je sais qu'avec un budget de 5 000, vous avez tout simplement l'opportunité de commencer votre business de folierie. Et voilà ça. J'ai posé au feu comme ça. J'allume mon feu et je ferme la marmite. Je ferme même d'abord la marmite. Et ensuite, je vais laisser mon folierie au feu pour 15 minutes. De toutes les façons, l'essentiel, c'est qu'il commence à bouillir. Dès que je vois, il va commencer à bouillir vraiment. Là, j'arrête le feu directement. Entre-temps, je vous amène comme ça. On écrase l'ananas et le gingembre. On pose déjà à côté. Alors la team, je vais vous proposer de faire ce business autrement. Je sais qu'on est habitué à mettre le jus de jara ou le foléré dans des emballages vraiment qui ne sont pas considérables. Je vous invite vraiment à personnaliser vos packaging, de faire de beaux packaging, mes amis. Vous n'allez pas regretter, tout au contraire, ça va propulser votre business, et ça va porter votre business à un autre niveau. Et comme vous le savez déjà, vous commencez par vos statuts. Statut WhatsApp, après on passe ton compte Facebook, après on crée une page professionnelle. Et c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir grandir dans le business. De nos jours, on ne compte plus seulement sur la famille, on ne compte plus seulement sur les personnes qui sont à côté de nous. Là, comme vous le constatez déjà, même pas 10 minutes, mon folerie est en train de bouillir. C'est vrai aussi que ça boue aussi vite simplement parce que j'ai vraiment mis le feu au max. Et je ne veux pas m'en rester là, perdre le temps. Voilà mon ginger ananas que j'ai préparé à l'avance. Je verse tout simplement à l'intérieur. Et je ferme ma marmite, j'éteins le feu. J'éteins le feu tout simplement, je laisse encore reposer pour 10 minutes. 10 minutes à 15 minutes, donc je peux même laisser comme ça le temps que ça se refroidisse. Je vais verser 10 minutes à 15 minutes, c'est petit, qu'est-ce que je raconte même. Je verse là, j'éteins le feu et ça va se refroidir ensemble. Ça va se refroidir. Et qui est, testez le foléré si chez vous, testez ça chez vous, la même méthode si vous revenez me dire. Même l'ananas que j'ai écrasé, là, si vous voulez écraser même plus. Mais vrai de vrai que je n'ai pas eu le courage d'écraser tout mon ananas parce que, pardon, j'avais envie de manger l'ananas comme ça. Pardon, du coup, j'ai économisé. J'ai économisé. Donc, si chez vous, vous avez une tête d'ananas, écrasez toute une tête d'ananas, vous mettez dedans. Hein? Vous allez confirmer. Quand vous allez peut-être faire les réceptions, je ne sais pas. Qui a fait le folier ici? C'est moi. Vous allez comprendre les scores. Entre temps, moi, j'éteins mon feu tout simplement. Et je vais prendre la peine de fermer ma marmite. Et après avoir fermé ma marmite, je vais laisser tout simplement là-bas que ça se refroidisse. Ça se refroidisse bien. Bien, 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 bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu viendras quand Zinga ira mieux. D'accord. Bye. Tu me tiens. Là, j'avais déjà commencé à filtrer simplement parce que j'avais laissé dehors. Ça s'est tout simplement refroidi au point où c'était tiède. Et avant que ça ne se refroidisse complètement, j'ai retiré, j'ai filtré, j'ai mis du sucre et les bonbons alcoolisés, comme vous êtes en train de constater. Parce que, I move me there, direction le congélateur. Ça va siroter. Attendez, vous connaissez la sucette qu'on fait souvent à la sortie des coups là, non? C'est ça même qui est ça aujourd'hui là. Ça va chauffer mon foléré. Pardon, mais d'abord